c'est que le climat, c'est une des choses les plus importantes dans la période, parce qu'il y a un risque de basculement de la civilisation humaine suite au réchauffement climatique. Et que c'est pas du tout sûr que dans un siècle, la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui puisse être de la même façon. Et c'est important de le préserver. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, si nous voulons relever le défi climatique, il faut sortir de ces politiques libérales qui nous font tant de mal. Le GIEC vient d'ailleurs de dire que pour assurer la transition énergétique, on aurait besoin de mettre 6% de notre produit intérieur brut dans des investissements publics pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, la France, du fait des politiques d'austérité, elle y consacre 4 fois moins de moyens. Donc si on veut vraiment faire de l'écologie, si on veut relever ce défi-là, à ce moment-là, il faut sortir des politiques d'austérité et sortir de ces politiques libérales. Je suis particulièrement inquiète des politiques qui sont menées au niveau de l'Amazonie, avec Bolsonaro, qui a organisé finalement des feux de forêt terribles pour permettre à des grands propriétaires terriens de pouvoir accroître encore leurs profits et qui n'hésitent pas à poursuivre les populations indigènes, à criminaliser les militants et les militantes de l'environnement et même à en tuer un certain nombre. Donc en tant que militante justement des droits humains et notamment au niveau international, il me semble très important que je sois présente aussi aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je marche aujourd'hui pour le climat, pour la préservation de la planète, parce que la planète elle appartient à tout le monde.